Bonsoir. Alors, on va prolonger la. En fait, la discussion est largement entamée, puisqu'on va discuter donc de la vie écrite des jeunes. Donc, sont venues s'ajouter à la table Elisabeth Schneider, à ma gauche, qui est maîtresse de conférence, alors qui tient aux maîtresses de conférence en sciences de l'information, et qui a soutenu il y a 2 ans une thèse qui était absolument passionnante sur les pratiques scripturales des adolescents. L'intitulé de la thèse exactement, et d'ailleurs vous la trouvez en ligne si vous voulez, c'est l'économie scripturale des adolescents, enquête sur les usages de l'écrit lycéen, qui avait été réalisée sur 2 groupes pendant 2 ans, entre 2010 et 2011, 2 groupes d'élèves en seconde, et qui s'intéressaient vraiment à leurs pratiques scripturales, à la fois scolaires et non scolaires, sur écran et sur papier, comment on passait de l'un à l'autre, etc. Est venu nous rejoindre aussi Fabrice Jessic, qui est linguiste, qui est chercheur au CNRS, dans le laboratoire, si c'est toujours le cas, de médiévistique occidentale de Paris, hein, c'est ça? Qui est un des grands connaisseurs en France de l'orthographe et de son histoire. Cette soirée, en gros, on l'a imaginée comme une interrogation et une remise en cause de deux poncifs, qui sont les jeunes écrivent moins et les jeunes écrivent mal, deux préjugés qui donnent des airs de tomber du bon sens, mais qui ne sont pas dénués d'implicite politique, comme vous avez commencé à les énumérer. Alors même que quand on y regarde de plus près, les choses sont autrement subtiles. D'abord parce que les jeunes écrivent beaucoup, ça c'est ce que montre Elisabeth Schneider et dont on va parler, sur écran mais pas seulement, avec des phénomènes de continuité étonnante entre l'écran et le papier, qui sont capables de réflexivité sur ce qu'ils écrivent. Ça c'est très intéressant aussi dans votre thèse, à travers par exemple des phénomènes d'écriture sociale. On écrit ensemble, à la fois on essaye de comprendre ce qui est écrit ensemble et d'écrire aussi ensemble, et sur la multiplicité des pratiques, et puis aussi parce que c'est évidemment l'aspect de l'orthographe et de la grammaire, et donc on va commencer par là parce que ça s'impose. Le second poncif, donc les jeunes écrivent mal, c'est aussi un préjugé qu'il faut nuancer, selon évidemment qu'on considère que la norme orthographique, c'est-à-dire l'écriture comme codifiée par, enfin, la langue codifiée par l'écriture, comme vous le disiez, alors qu'évidemment il y a une distinction entre langue et écriture. Mais avant ça, et pour ouvrir et pour faire pour circuler entre ce que vous venez de dire, le spectacle que vous venez de donner et ce qui va nous occuper, ce que vous n'avez pas dit tous les deux, à moins que ça m'ait échappé, c'est que le spectacle est né de votre expérience de prof. Oui, entre autres, oui, tout à Donc, fait. en fait, quand on comprend ça, on a l'impression que votre spectacle est un quoi, c'est un plaidoyer. En fait, au départ, on n'est pas comédien du tout, on est prof. D'ailleurs, on est Ouais. toujours prof aujourd'hui. Et un des constats de base, moi, je travaille dans un, enfin, on travaille dans la même école, dans un collège ou un lycée, je ne sais pas comment on dit, parce qu'en Belgique, c'est la même On chose. dit c'est un lycée. 16, Ouais. 16, 20 ans. 16, Ouais, 20 c'est ans, lycée. voilà. De technique et professionnelle, donc avec des élèves qui ont déjà été partiellement écartés du système général, puisque il y a quand même, on le sait, il ne faut pas se mentir, une forme d'entonnoir qui fait qu'on se retrouve souvent avec des élèves qui sont en échec en technique et professionnelle, et qui ont un rapport au français qui est tragique. Et à chaque fois que je les interroge au début de leur cursus, la première, seule et unique réponse qu'ils apportent à leur problème de français, c'est la question de l'orthographe. Or, nous, on a une formation de linguiste aussi à la base, et on sait bien que l'orthographe, ça n'est pas toute la langue comme on l'expliquait. Et donc, c'est aussi d'abord pour les déculpabiliser, pour avoir un rapport à la langue, pour essayer de les réconcilier finalement avec le français. Parce que le problème, c'est qu'ils évacuent le français, mais ils évacuent aussi avec ça toute la littérature, toute la philosophie, tout ce qui touche à des choses vraiment essentielles dans la formation. Et donc, les déculpabiliser, c'était déjà une première démarche. Et puis effectivement. Moi, ça vient plus d'un vécu en société. C'est-à-dire qu'une fois prof, on m'a souvent pris à partie en me disant, oh là là, t'as vu, le niveau baisse, oh là là. Et comme si je devais d'office défendre ça, défendre l'orthographe telle qu'elle était. Alors que j'avais un peu l'impression de faire partie des rares personnes à qui on avait expliqué ce qu'elle était vraiment. Et qu'à partir de ce moment-là, il était possible de relativiser. Et donc, j'étais en porte-à-faux, comme ça, assez régulièrement. Et j'ai commencé à expliquer en disant, bah non, tu sais,
moi j'ai pas envie de tout défendre, là les X, je m'en passerai bien, parce que, etc. Et puis on a tellement fait ça qu'on a fini par nous proposer d'en faire un texte. Et puis, On s'est surtout rendu compte que c'était pas, on pouvait pas le dire. C'est-à-dire que dans les soupers entre amis, qui ressemblent à celui-ci qu'on faisait, on avait des gens qui s'opposaient radicalement à la modification orthographique, alors que c'était des progressistes ou des gens qui étaient en général avec une vision non conservatrice de la langue en général, mais sur la question de l'orthographe, c'était pas... Et vous savez, vous avez été autorisé à le dire ici uniquement parce que vous êtes belge. Exactement. Sinon, c'est pas possible. Mais beaucoup de grands grammairiens sont belges, peut-être pour cette raison aussi. C'est parce qu'il y a une distance par rapport à la. Et un sens de l'absurde aussi, peut-être. Aussi. C'est très à la mode. Fabrice Jessic, je ne vais pas vous demander de revenir sur toutes les raisons. Parce qu'en gros, tout ce qu'il raconte est tout simplement vrai du point de vue de l'histoire de la langue, il me semblait peut-être. Voilà. Je peux totalement confirmer, et donc j'avais même pensé à dire des choses qui n'ont déjà été dites. Nénuphar. Voilà, etc. Et je crois qu'il y a, vous l'avez bien dit, un point de fixation. Donc les gens pensent à quelques exemples. On sort toujours nénuphar, oignon et événement. Voilà, en gros, le raisonnement, il est là-dessus. Et malheureusement, on s'aperçoit que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas vraiment ni l'histoire, ni, je dirais, les fondements de l'orthographe. En fait, il faut savoir que l'orthographe a quand même une relation à l'oral de la langue, qu'en plus, il y a des formes écrites qui n'ont pas nécessairement une relation à l'oral. Donc, je dirais, elle est assez systématique. Bon, il y a évidemment ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'élite voulait absolument garder ses marques de distinction sociale. C'est pour ça que l'orthographe est si compliquée. Et... En tout cas, du français, ce qui n'est pas le cas de toutes les langues romanes. Non. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que parmi toutes les langues romanes, seul le français a gardé les lettres qui ont été, à juste titre, critiquées, donc les lettres grecques, enfin, l'étymologie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Académie, en faisant son dictionnaire, alors je suis très content que vous ayez cité les cahiers de Mézeray avec cette fameuse citation... Donc il s'agissait de choisir l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres des ignorants et des simples femmes, ce qui en dit long. Et en fait, cette citation des cahiers de Mézeray n'est évidemment pas reprise dans la préface du dictionnaire de l'Académie, parce que politiquement, c'est incorrect. Et donc, je cite de mémoire, mais dans la préface du dictionnaire, il est dit simplement... qu'ils ont pris l'orthographe des gens de lettres, donc en fait de l'élite, de manière à avoir le meilleur modèle. Mais en fait, faut bien être conscient que c'est un acte politique majeur qui a été pris à ce moment-là, et en fait, il s'agissait de choisir la langue de l'élite pour l'élite, et la langue conçue comme un outil de domination. Et bon, ça rejoint les multiples exemples qui ont été donnés au cours de la pièce. Mais donc, quand on véhicule ce préjugé qui est que les jeunes écrivent mal et de plus en plus mal, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Alors derrière, il y a la sacrée dictée. Donc, si vous voulez, il y a eu André Chervel, donc, qui est un spécialiste de l'histoire de l'éducation, a montré que le niveau d'orthographe, en fait, est parti d'assez bas au XIXe siècle, où on a commencé à enseigner, qu'il est monté très haut parce que, bon, on passait énormément de temps à l'enseignement de l'orthographe, et qu'après, de nouveau, le niveau a baissé. Et une étude récente a montré... alors, si vous voulez, il y a eu deux phénomènes sur les niveaux d'orthographe. Il y a d'une part qu'André Chervel et Daniel Manès avaient trouvé un paquet de dictées du 19e siècle, avec les corrigés, qu'ils ont fait passer la même dictée 100 ans après. Et en fait, ils se sont aperçus que les enfants, je dirais, du 20e siècle, faisaient plus de fautes, mais que les fautes étaient moins bêtes. Donc, ce qui est rassurant. Et après, aux dernières études, donc qui remontent, je crois, à 2007, en fait, il y a eu une comparaison sur 20 ans. Je crois que c'est 85-2005, et on s'est aperçu qu'il y a eu un recul orthographique de 2 ans. C'est-à-dire qu'un enfant en cinquième, 20 ans après, avait le niveau d'un enfant de CM2. Voilà, et voyez le recul. Alors donc, quand on dit que les enfants écrivent de plus en plus mal... Oui, mais c'est basé sur des critères d'évaluation. Orthographie, oui, c'est basé sur des critères d'évaluation... mais je pense qu'il faut être bien conscient que l'écrit s'est démultiplié,
que les enfants apprennent un tas de choses, qu'ils savent faire un tas de choses en plus, et qu'en fait, ça touche ce que vous avez bien dit, c'est-à-dire le code orthographique, ça ne touche pas absolument la langue, qui, elle, ne cesse de s'enrichir, et ça, je crois qu'on ne le dit pas assez. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière claire la différence entre la langue et le code orthographique ? Et comment ça s'articule, et comment on en vient à considérer l'un, c'est-à-dire le code orthographique, comme étant le parangon, le béaba ou de la langue. Alors, si vous voulez, c'est assez simple. En fait, la langue, c'est l'outil de communication. C'est un outil de communication qu'on adapte à chaque situation de communication. Et je pense que chaque locuteur est conscient qu'il ne parle pas de la même façon selon ses interlocuteurs, qu'il y a en permanence une interaction, qu'il agit sur cette interaction et donc on peut sans cesse ajuster la communication. Vous voyez, il y a ça, et ça, c'est donc ça fait que la langue appartient à tout le monde et elle ne cesse d'évoluer à chaque instant. C'est-à-dire que le français d'aujourd'hui n'est pas le français de demain, dans 24 heures. Vous voyez, ça faut être conscient que le changement de la langue est permanent. Donc, et que c'est un outil aussi qui a une économie interne, et donc cette économie interne gère la communication et l'optimise en permanence. C'est pour ça qu'elle change, parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours dire mieux. Voilà. Et bon, malheureusement, ce n'est pas le cas de l'orthographe. L'orthographe, en gros, elle a été figée, je dirais, pour l'orthographe du français, avec la troisième édition du dictionnaire de l'Académie, qui date de 1740. Depuis, il y a eu très peu de modifications. Bon, il y a eu évidemment... Alors, si vous voulez, en gros, pour donner un schéma rapide, en 1740, donc, on a introduit les accents, accent circonflexe en particulier, avec suppression du S étymologique latin. Chacun sait qu'on écrivait mesme et que c'est passé à même avec un accent circonflexe, etc. Après, il y a une deuxième réforme importante, selon moi, qui est donc en, je crois, 1835, où le OI, qui se prononçait est, et qui était écrit, qui se prononçait depuis déjà le Moyen Âge, a enfin trouvé la graphie AI. Vous voyez ? Donc les choses sont très lentes. C'est-à-dire qu'en fait, le temps allant, l'écart s'agrandit entre la langue et l'orthographe. Voilà. Et donc du coup, quand on mesure la capacité de la, enfin quand on pense mesurer la maîtrise de la langue à la maîtrise de l'orthographe, en fait, on ne fait que essayer de mesurer un écart qui, de réduire un écart qui ne fait que grandir. Oui, absolument. Et disons qu'avec le développement du livre, donc avec l'avènement de l'imprimerie, etc., la circulation des textes, le figement s'est accéléré. Donc on constate que, par exemple, la dernière édition complète du dictionnaire de l'Académie, la 8e, date de 1935. Et donc la 9e qui est en cours, ils en sont au 3e volume. Le 3e volume paru en 2011 et le 4e devrait, dernier volume de ce dictionnaire devrait paraître cette année. Mais il y a une grande différence avec cette 9e édition, c'est que Maurice Druon a créé une équipe qu'on appelle le service du dictionnaire. Bon, évidemment, il y a des académiciens, mais il y a aussi des gens, des universitaires, des linguistes qui participent à l'élaboration de ce dictionnaire. Et grande nouveauté de cette édition, c'est qu'il y a aussi, ils introduisent des termes argotiques et populaires. Vous trouverez par exemple le verbe pioncer, etc. Je pourrais donner encore beaucoup d'autres exemples, mais c'est pour dire que ce dernier dictionnaire prend beaucoup plus en compte la réalité linguistique du français. Et en particulier, il va arriver à une nomenclature beaucoup plus importante. Même du point de vue strictement orthographique ou pas ? Alors, du point de vue strictement orthographique, en fait, il intègre ce qu'on appelle les rectifications de 90, qui est en fait une rationalisation de l'orthographe où on essaye... Alors, j'aime pas beaucoup employer le mot simplifier parce que pour moi, c'est pas une simplification. Pour moi, il s'agit d'une rationalisation. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des règles plus générales, d'éliminer des exceptions, quitte à parfois faire des éliminations d'exceptions particulières. C'est par exemple chariot écrit avec un seul R qu'on écrit désormais avec deux R pour qu'il soit en accord avec le reste de la famille. Vous voyez, donc c'est ce type de choses. Et il y a aussi dans cette rationalisation, par exemple, l'écriture des nombres. Il fallait, par exemple, écrire 101 d'une manière, 21 d'une autre, etc. Maintenant, dans l'écriture des numéros de nombres, on met des traits d'union partout. Donc, ça simplifie. On a plus. Donc, c'est une règle unique et simple à appliquer. Voilà.
Elisabeth Schneider, chez les jeunes que vous avez suivis pendant longtemps, évidemment, vous, votre domaine d'étude, ce n'est pas à proprement parler les questions orthographiques, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est discuté parmi eux, la conscience qu'il y a d'écrire en texto, mais que ce n'est pas pareil que d'écrire. Enfin voilà, est-ce que selon les supports, vous voyez et une réflexivité sur l'usage de la langue et de l'orthographe, selon les supports, par exemple ? Oui, alors absolument, justement, j'y pensais en écoutant votre spectacle, parce que c'est vrai que sur cette question d'une représentation très fortement ancrée, les adolescents l'ont, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, moi, dans les entretiens que j'avais avec eux, très rapidement, quand je leur disais « je m'intéresse à la manière dont vous écrivez », ils me répondaient « oh, je suis nul en orthographe ». Voilà, c'était forcément, écrire, c'était ça. Et autre exemple, j'ai observé un certain nombre de productions d'écrits, on va dire, en ligne, et en particulier sur des forums, et sur des forums que vous pourriez retrouver d'ailleurs sur jeuxvideo.com, ce sont des adolescents qui discutent de l'importance de choisir une fille en fonction de son niveau orthographique. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que ça va bien 5 minutes, quoi, si elle est jolie, mais c'est vrai que quand elle vous écrit des lettres d'amour et qu'elles sont remplies de fautes d'orthographe, voilà, quoi, faut faire du tri. Donc c'est un vrai outil de sélection sociale, y compris pour... Mais sur les sites de rencontres ou même les chats sur les applis de rencontres, c'est un critère qui est très couramment expliqué, comme étant... Alors d'un autre point de vue, les jeunes le précisent comme étant un critère d'évaluation de ce qu'ils trouvent en ligne. Par exemple, la qualité d'un site est évaluée à sa qualité d'orthographe. S'il repère des fautes, c'est que le site n'est pas fiable. Et du coup, ce qui est fascinant, c'est l'intériorisation de l'orthographe comme étant un mode d'évaluation. Oui, même si on pourrait dire qu'ils n'en ont pas forcément des compétences très expertes, ils vont eux-mêmes être en difficulté, mais s'ils repèrent des fautes, pour eux, effectivement, ils vont dire des fautes, ils vont porter un jugement. Mais ils ont intégré, on peut considérer que ça fait partie d'un package sur toute la culture scolaire, en fait. Moi, je sais bien que l'orthographe, c'est une des parties qu'ils intègrent le mieux parce que c'est la chose sur laquelle on enfonce le plus le clou, mais que ce soit l'utilisation du passé simple, on a tout un paquet de culture scolaire qui vient de la manière dont on enseigne aux élèves. Et moi, je sais qu'en tant que prof de français, une des choses contre lesquelles j'ai le plus à lutter quand les élèves écrivent, c'est leurs hypercorrectismes. C'est l'hypercorrectisme en linguistique, c'est le fait de vouloir en faire des caisses, de vouloir rajouter des formules, des subordonnées. Et comme souvent, les élèves de technique ou de professionnel ont des maîtrises relativement partielles de ces temps ou de ces subordonnées, on a des textes illisibles qui, quand on leur supprime toute leur fioriture scolaire, sont très intéressants. Et c'est paradoxal, parce que moi, je me tue à leur dire, il y a des Goncourt au présent de l'indicatif. Essayez à un moment donné de d'abord utiliser les outils que vous avez pour être compréhensible et pouvoir transmettre votre pensée. Et après, on peut se permettre des fioritures si c'est nécessaire, quoi. Mais c'est compliqué. Alors que par ailleurs, on trouve, et ça dans votre thèse aussi, c'était très intéressant, c'est qu'on trouve une très grande réflexivité sur la langue. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'usage de la ponctuation, l'usage de certains mots, etc., qui, pour le coup, on a l'impression parfois d'entendre des écrivains, tellement ils sont conscients de la différence qu'il y a entre terminer avec un point ou des points de suspension, un texto, etc. Qui est un souci hyper précis, par ailleurs. C'est ça qui est étonnant. Oui, mais parce qu'en fait, je pense qu'ils sont vraiment du côté de l'usage, c'est-à-dire de s'adapter à la situation de communication dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, mon écrit sert à quoi ? Je veux convaincre quelqu'un, je veux lui montrer que je suis fâchée. Enfin, toutes ces nuances émotionnelles, c'est ça qui importe. Effectivement, ils vont utiliser les outils, mais là, ils vont être vraiment du côté de l'orthographe ou de la ponctuation, de la syntaxe, comme un outil pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Et du coup, pour décrypter aussi les écrits des autres. Ça, c'est dans le même, c'est réciproque. Mais effectivement, il y a cette réflexivité parce qu'ils vont petit à petit tester des choses et puis ajuster au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'ils disent du fait que justement, ils ont cette espèce de vie linguistique hyper fournie, et du fait, encore plus fournie du fait qu'ils passent leur temps à écrire des textos, mettre du texte sur Snapchat, Facebook, etc. Et le fait que parallèlement, ils n'expérimentent pas ça dans l'écriture scolaire. Est-ce que du coup, ils ont l'impression d'avoir deux,
deux usages de la langue, ou alors une multiplicité très forte et frustrante peut-être, je ne sais pas. Bah, disons que dans ce que j'ai pu voir, dans ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a quand même deux univers cloisonnés, il y a l'école et hors de l'école. Donc effectivement, toute cette, souvent ils m'ont dit, enfin quand je pose la question, c'est vrai que je posais la question, est-ce que ça tu l'utilises à l'école ou est-ce que tu en fais, tu en parles à ton prof de tout ce que tu fais? Et la réponse était bien souvent non. Mais en même temps, moi dans ce que j'ai vu comme forme d'écrit, comme effectivement j'étais aussi enseignante de français, ben, du coup j'avais un petit peu de déformation professionnelle. Et quand je regardais leurs écrits, je voyais des éléments qui étaient visiblement des mobilisations de savoir acquis à l'école. Donc, ils déclarent deux univers cloisonnés, d'accord, mais en même temps, je pense que c'est fait d'emprunt, c'est normal. C'est-à-dire, par exemple, quand on va écrire un texto amoureux, une déclaration, voilà, on va employer des formules qui, elles, proviennent de... Oui, voilà, de on va s'inspirer... Oui, on va s'inspirer parce qu'on a trouvé des mots qui étaient jolis, on a trouvé des tournures de phrases qu'on va recopier d'ailleurs à certains moments et puis qu'on va réutiliser. Mmh. Vous avez observé ça aussi ? Oui, tout à fait. Mais c'est comme on disait, à partir du moment où ça sert, où on sent que concrètement, vous disiez qu'on adapte en permanence son discours, c'est ça, c'est que l'élève va utiliser la culture scolaire si ça lui est nécessaire. Si ouais. À un moment donné, dans le réel de la conversation, il se dit, tiens, là, c'est le moment d'utiliser cette plus-value esthétique ou institutionnelle dans la phrase que j'utilise. Mais ce qui est dommage, c'est que même à l'école, l'élève ne réalise pas, quand on lui enseigne, qu'il pourrait s'en servir dans la vraie vie. Et quand il est dans la vraie vie, il ne fait pas directement référence à l'école. Je veux dire, il y a vraiment, effectivement, comme vous le disiez, un vrai cloisonnement. Et ça va bien au-delà de l'orthographe. En tout cas, dans ma pratique, ça va bien au-delà de la question de l'orthographe parce que bah, tous les exercices d'argumentation, de littérature, de poésie, etc., il y a la poésie de l'école, et puis il y a la poésie de la rue, de mes potes. Et on a un mal fou. Enfin, moi, la question principale que mes élèves me posent, c'est est-ce que je peux écrire ça? Ou alors, est-ce que ça se dit? Alors, la réponse que j'apporte souvent à un élève qui dit « est-ce que ça se dit ?», je dis « bah oui, tu viens de le dire, ça c'est certain. » Après, est-ce qu'on a le droit à l'école ? C'est très très présent, quoi. Fabrice Zizik ? Juste une remarque. Donc, parmi les droits de l'homme et du citoyen, il y a l'article 11 qui dit que tout citoyen a le droit de parler et d'écrire comme il l'entend, hein, en fait. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est quand même un article intéressant. Et là, je rebondis, puisqu'on a beaucoup parlé des SMS. Et je crois que pour les jeunes, c'est quelque chose qui marche parce qu'en fait, ça permet une analyse de la langue, à la fois de la langue orale et de la langue écrite. Hein, puisque dans l'orthographe, il y a une partie donc, qui est chargée de transcrire l'oralité de la langue. Après, il y a une autre partie qui est liée donc, je dirais, aux fonctions du système graphique, qui est plus ou moins idéographique. Et donc, dans les SMS, ils sont bien conscients et ils reprennent, par exemple, quand ils écrivent « demain » avec le chiffre 2 et « MIN », donc il y a à la fois, je dirais, une valeur idéographique avec le chiffre 2 et puis le MIN qui est une transcription la plus simple de ce son-là. Vous voyez ? Donc il y a en permanence ce jeu, donc il y a en permanence aussi, je pense, la recherche d'une performance. Et ça, c'est quand même intéressant et je pense que l'outil ne jugeant pas ce qui est écrit, ça permet une grande liberté d'écriture. Et j'en profite pour dire que en fait, ce qui fait peur dans les rectifications de 90, c'est cette liberté qui est ajoutée. Puisque vous pensez ça, le fait de pouvoir avoir deux graphies différentes. En fait, il y a deux normes qui cohabitent, les graphies traditionnelles et les graphies rectifiées, que les deux normes sont valables, qu'un enfant ne peut pas être sanctionné s'il utilise l'une ou l'autre des graphies, que c'est précisé à chaque instant dans tous les fascicules du dictionnaire de l'Académie, hein, puisqu'avant de publier un volume, il publie des fascicules au journal officiel. Donc c'est quelque chose, je dirais, qui est répété, il faut bien en avoir conscience. Et dans la dernière campagne qu'il y a eu, le Figaro avait lancé un sondage. Il avait sondé, je crois, 6500 personnes, si ma mémoire est bonne. Et en fait, il y avait un test orthographique qui était fait directement en ligne. Et ils se sont aperçus que 67% des Français qui avaient participé donc, utilisaient les rectifications orthographiques de manière spontanée, parce que ça va dans le sens, je dirais, du bon fonctionnement de l'orthographe. C'est-à-dire que les gens étaient contre la réforme, voilà. Mais par ailleurs l'appliquaient sans même savoir. Et aussi, petite anecdote, puisque
il y avait eu un article de Libération. Et donc une collègue m'a demandé, j'ai vu là que tu étais, il y avait eu un article dans Libération, est-ce que tu peux me le passer? Donc je lui ai passé, mais elle dit, tu sais, moi je suis absolument contre la réforme, c'est terrible, etc. Donc elle est d'origine espagnole, donc ce qui est quand même, je dirais, un fait sociolinguistique intéressant. Et donc quand elle a lu l'article, elle m'a dit, finalement j'ai changé d'avis. Elle dit, c'est intéressant et je trouve que tu as raison, voilà. Enfin, c'est quand même pour montrer que les gens ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Ouais. Il y a un truc qu'on ne dit pas assez avec la réforme qui est vraiment important, je trouve, de véhiculer au maximum, c'est qu'on ne demande à personne de changer d'orthographe. Il n'y a aucune réforme qui demande de changer d'orthographe. On demande simplement d'enseigner à ceux qui n'en ont pas, les enfants ou les étrangers qui arrivent en France, les nouvelles formes. Et la cohabitation ne pose pas de problème. Mais ça, on a quand même l'idée de défendre cette orthographe aussi parce qu'on a quand même parfois le sentiment que nous, on a vraiment trimé pour l'avoir et que donner gratuitement un truc pour lequel on a souffert, c'était un petit peu difficile à accepter. C'est ça, parce que c'est, tout à l'heure, je vous disais qu'est-ce qu'il y a derrière le préjugé de « les jeunes écrivent mal ». Et au fond, c'est cette question, ça, pourquoi est-ce que ça déclenche encore aujourd'hui de telles discussions, de telles passions et de tels barrages dès qu'on touche un tout petit peu à ça? Et ce n'est pas les dernières réformes, ça a toujours été le cas. En 90, c'était la même chose et ça a sans doute été la même chose avant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette conservation de l'orthographe telle qu'elle est? Moi, je pense que c'est avant tout motivé par une envie de défendre la langue, mais qui t'a pas coté. Je crois que les gens qui défendent l'orthographe croient vraiment défendre le français et font fausse route parce qu'il s'agit juste de la graphie du français et que peut-être rendre cette graphie plus accessible serait bénéfique au français, permettrait que les étrangers se l'approprient plus facilement, permettrait à cette langue d'être plus vivante, plus conviviale, c'est vraiment le sens qu'on a essayé de lui donner. Et qu'en fait, servir la langue, c'est lui permettre de se rapprocher de son écriture aussi, et inversement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ces propos. Je pense aussi que c'est un acte, je dirais, de démocratie, hein, parce que c'est vrai, on prive un tas de gens, les gens comment on n'ose pas écrire, parce qu'ils ont peur d'être jugés, et... Là, je rapporte, j'ai lu, il y avait un témoignage très intéressant suite à ces turbulences orthographiques qu'il y a eu dans la presse. C'est le journal La Croix qui rapporte où quelqu'un qui avait des difficultés orthographiques a été obligé de faire le choix d'une filière scientifique. Vous voyez ? Donc, il lui a dit que ça lui a gâché sa vie et finalement, il a fait un choix de vie différent de celui qu'il voulait faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose de récurrent. Hein, vous l'avez très bien dit. Et voilà. Mais je pense surtout, c'est que il y a une identification, donc une confusion. J'insiste là-dessus et je répète, entre la langue et l'orthographe. Et donc les gens, à partir du moment où on touche à l'orthographe, on touche à la langue et à la qualité de la langue. On dit bien à tous les Français que le français est génial, que c'est la plus belle langue du monde, etc., etc. Mais en fait, toutes les cultures du monde et toutes les langues du monde se valent. Donc, je veux dire, c'est un point de vue un peu chauvin. Mais pour eux, ça marche. Pour eux, c'est ce que disait mon collègue, là. C'est vraiment, ils sentent que c'est une manière de défendre la langue. Mais là ils se trompent totalement. Mmh. Il faudrait qu'ils regardent comment s'écrit l'italien, comment s'écrit l'espagnol, comment s'écrit le roumain, qui sont des langues romanes qu'on peut assez bien comprendre en étant locuteur français. Et là, ils verraient la simple... Comment c'est facile d'écrire ces langues? Quand on écrit le latin. Ah oui. Oui, ça c'est oui. Ça c'est une chose qui est incroyable, c'est que on parle toujours du latin en disant revenir au latin, revenir au latin, mais en fait le latin est une langue quasiment parfaitement phonétique et on n'imaginerait pas faire une dictée en latin parce qu'il y a pas tout ces... et donc finalement supprimer les consonnes doubles, c'est rapprocher le français du latin. Ouais. Donc il y a un paradoxe là-dedans quand on veut absolument revenir au latin qui me surprend. Ouais. Il y a peut-être aussi un fait d'histoire qui me semble important à mentionner. C'est-à-dire que, on sait très bien que le français est principalement issu du latin, mais ce qu'on sait moins bien, c'est que au moment où, si vous voulez, les changements qu'il y a eu du latin en cours, en fait, quand du latin on est passé au proto-français, puis à l'ancien français moyen et français moderne, ce qui s'est fait sur plusieurs siècles,
En fait, je dirais le latin portait déjà en lui les germes qui se transforment, enfin, des langues romanes. Vous voyez, et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quelque part, sur l'ensemble de la Romagna, ce qui comprend donc l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, etc., il y a eu les mêmes changements. Vous voyez, les mêmes changements avec bon, des variétés selon les pays, selon les régions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces transformations étaient déjà mal perçues au Moyen Âge. Donc dans la tradition des scripta, on avait l'habitude, je dirais, de, par exemple, quand une forme était trop romanisée, on avait tendance à l'affubler d'un habit, je dirais, d'écriture latin, vous voyez, pour montrer que c'est une forme finalement de grande valeur, etc. Donc il y a eu tout ce jeu des scripta qu'on ignore, et je pense que l'histoire et l'attachement de l'orthographe vient de là. Hein, surtout que concernant le français, c'est finalement lui qui a la filiation, je dirais, la moins directe avec le latin, et donc ils étaient, ouais. Et ça aussi c'est... Ils se rachètent une origine latine, voilà. Et je me souviens qu'il fallait que le prestige de la langue montre sa descendance du latin, du grec, de l'hébreu, etc. Et je crois, je dis ça, mais je pense aussi du gaulois. Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'Académie avait dit, mais elle, pour certains mots, elle ne connaissait pas bien, parce que les études n'avaient pas encore été faites. Voyez. Donc il fallait absolument créer une filiation noble de la langue. Et vous, comment vous avez parlé du langage SMS en disant que vous voyez deux mains écrites DE, enfin avec un 2 et un 1 et MIN, ça vous trouviez ça intéressant, mais comment vous regardez les autres espèces d'inventivité justement orthographique ou ces mots, ce mélange qu'il y a entre les mots et puis des signes, des émoticônes, tous ces signes parallèles ou ces usages détournés de la ponctuation. Vous regardez tout ça en disant « Ah, c'est beau, c'est de l'inventivité. » Est-ce que vous dites « Ah tiens, c'est rigolo parce que ça fait écho à la manière dont on écrivait, dont on s'est mis à transcrire les patois, par exemple. » En se disant « Tiens, il faut transcrire ces patois, alors on fait une sorte d'inventivité aussi avec les lettres pour essayer de faire un truc qui ressemble vaguement au patois prononcé, et donc du coup hors de l'orthographe codifiée du français. » Enfin, voilà, comment vous regardez ça, vous, en tant que linguiste ? Oui, alors, effectivement, une de mes principales activités consiste à travailler sur les dialectes du français. Hein, donc c'est le dialecte du français, on pourrait dire du français rural autour de Paris. Hein, c'est ça couvre en gros l'Île-de-France. C'est environ 100 km autour de Paris. Donc des textes qui ont été publiés dans différents dialectes. Alors il y a le parler de l'Yvelines, il y a l'Orléanais, il y a le Sartois, etc. Et j'en passe. Et ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai eu un corpus de textes qui ont été publiés entre 80 et 82, c'était donc au moment où la régionalisation se mettait en place, où il y avait une demande des régions pour, je dirais, avoir des outils culturels, et donc la langue était un de ces éléments-là. Donc j'ai travaillé sur ces textes, qui ont une orthographe très libre, et je suis parti du point de vue que chaque écart était significatif, et donc j'ai analysé avec des moyens informatiques ces textes, et ça m'a permis de mettre en évidence un certain nombre de fonctionnements. Alors pour répondre, et aussi ce qui m'intéressait, c'est d'étudier l'interaction pour transcrire ces dialectes avec l'orthographe du français. Oui. Et donc j'ai par exemple trouvé, je donne un exemple, c'est par exemple le mot arbre, je vais prendre plutôt un autre exemple qui sera plus parlant, c'est le mot herbe, qu'en orléanais on prononce arbre, donc comme arbre, voyez, mais ça faisait une homophonie, et l'auteur, pour écrire arbre, donc qui a le sens d'herbe, avait mis un H. D'accord, voyez, donc il remotivait une graphie du français pour finalement décoder l'écrit d'une manière, je dirais, convenable. Et comme ça, il y a une multitude d'opérations qui sont très intéressantes. Et surtout, ça m'a permis de mettre en évidence, parce que je me suis aussi posé la question, pourquoi un même mot ne s'écrit pas toujours de la même façon au même endroit ? Et là, je me suis aperçu qu'il y a un travail, je dirais, de réception sémantique du texte, et que selon les contextes, on mettait une graphie ou une autre. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire... Enfin, pour moi, c'est vraiment, je dirais, un système.
Hein, évidemment, ce n'est pas le système codé de l'orthographe, etc. Mais c'est un système qui marche très, très bien, ce qui fait qu'un lecteur français qui lit ses dialectes du français, il comprend parfaitement. Vous voyez, donc là, je dirais, la communication est assurée. Et donc, comment vous regardez cette espèce d'invention et je la regarde un peu comme ces textes-là, c'est-à-dire c'est une recherche. Pour moi, c'est une recherche. Ces jeunes font une recherche sur leur langue qui est très intéressante. C'est une recherche à la fois sur le système graphique de la langue et sur le système phonique de la langue. Et... Donc, je pense que ça va changer leur manière de percevoir aussi. Et peut-être aussi un point sur lequel j'aimerais dire deux mots, c'est que les rectifications de 90, le dictionnaire de l'Académie était le seul à les enregistrer. Il a été ensuite rejoint par... Donc ça, à partir de la première édition du dictionnaire, le premier tome est paru en 1992. Donc ça a été le premier dictionnaire, et de ce côté-là, ça représentait un peu l'avant-garde. En 2002, c'est le dictionnaire Hachette qui les rejoint et qui introduit comme deuxième variante quasiment l'ensemble des rectifications. Et oui, et peu à peu, le Robert a pris une partie, le Petit Larousse a pris une partie. Et par exemple, le Petit Larousse, dans sa livraison de 2012, commence à aller au-delà de ce que fait l'Académie. Et il propose, par exemple, pour Gaiement, une forme sans le E parasite. Donc écrit G-A-I-M-E-N-T. D'accord. Vous voyez, comme deuxième variante. Donc ce qui est intéressant. Donc voilà. Ce qui est intéressant quand on entend le... la question de l'Académie décide ou que le dictionnaire est avant l'Académie et des choses comme ça, c'est que dans nos recherches, on a constaté une chose assez surprenante, c'est qu'il n'y a pas d'instance officielle de décision de la graphie du français. Heureusement. C'est-à-dire que, tant mieux, évidemment. Mais beaucoup de gens disent que c'est l'Académie, mais l'Académie se réfère à l'usage. Donc là, il y a une tautologie, c'est-à-dire que il y a vraiment un problème. Alors aujourd'hui, ce qu'on a trouvé comme greffier le plus officiel de la norme, c'est le correcteur orthographique le plus efficace. C'est le correcteur orthographique des traitements de texte. Et on lance un message parce qu'on a cherché à savoir qui c'était. Oui. Il n'y en a pas encore réussi à trouver. Qui fait quelqu'un peut nous indiquer qui est le correcteur qui décide pour Word. Ah, mais c'est une super question. Là, je peux vous répondre. Ah, ça nous intéresse. Non, c'est vous, en fait, c'est Fabrice. on l'a trouvé, le mec qui fait Word. Non. Écoutez, c'est très simple. En fait, je crois que c'est depuis 2007, dans ce qu'on appelle le pack office de Microsoft. En fait, vous avez le choix dans les options de correction. Vous avez le choix entre la graphie traditionnelle, donc c'est avant 90, la graphie traditionnelle seule, la graphie rectifiée seule, ou bien une autre variante, c'est les deux. Vous voyez, ce qui correspond à la position actuelle. Oui, c'est ça, c'est normalisation. Voilà. Mais bon, moi, comme je suis partisan des rectifications de 90, parce que ça me... Il y a beaucoup de, je dirais, graphies qui me semblent tellement stupides que j'ai du mal à continuer à écrire, par exemple, oignon avec un i. Vous n'écrivez pas, vous, linguiste, Vous n'écrivez pas oignon avec un i. Un o, et c'est très bien. Comme pognon. C'est la même racine. Mais ça, c'est un point de vue personnel, parce que je trouve ça tellement bête et incohérent par rapport au système en général que je ne comprends pas pourquoi les gens sont réticents de ce point de vue-là. Voilà. Alors, Elisabeth Schneider, donc là, je pense qu'on a à peu près complètement écarté l'idée que les jeunes écrivaient mal. Est-ce que les jeunes écrivent peu ? Non, au contraire, ils écrivent énormément. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils écrivent tout le temps, mais d'une certaine manière, et ça dépend aussi du sens qu'on donne au terme, enfin au mot écriture. C'est-à-dire ? Si l'on entend par écriture, on pourrait se poser la même question que du côté de l'orthographe, c'est-à-dire est-ce que on a une vision de l'écriture comme étant quelque chose d'élaboré, de long, etc. Si on demande parfois à des enseignants, ils vont dire non, mes élèves, ils écrivent pas, ou ils n'écrivent plus, etc. Parce qu'on a l'idée, on a un standard de quantité, par exemple, ou un standard de qualité ou d'élaboration syntaxique. Mais si on est que sur une définition assez large de l'écriture, que c'est un moyen de transcrire de la pensée sur un support, une manière graphique, en utilisant des codes. Là, au contraire, ils écrivent énormément. Ils écrivent, effectivement, tout le temps, c'est-à-dire, partout. C'est-à-dire du matin au réveil où ils ouvrent Facebook ou voilà. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont...
Je vais dire, moi, j'utilise le terme de tramer parce que je trouve que c'est vraiment ça, c'est qu'ils vont tramer leur quotidien avec de l'écrit. Ça dépendra complètement de leur vie. Est-ce que c'est le matin en se levant? Est-ce que c'est à d'autres moments? Mais c'est chaque fois qu'ils vont avoir besoin d'entrer en communication. Et avec l'outil numérique, la communication se fait par écrit. Donc, effectivement, on a l'utilisation de la vidéo, on a l'utilisation d'images qui peuvent faire s'écarter de l'écrit. Mais la plupart du temps, effectivement, le développement des SMS font qu'on va... On va écrire partout dans les transports en commun, en marchant, en se déplaçant. On va écrire dès que l'on va effectivement entrer sur, enfin, ouvrir des applications sur des réseaux. Et aujourd'hui, on n'est pas, enfin, ça fait un petit moment, mais on n'est pas sur des moments qui sont distincts les uns des autres. C'est-à-dire ? On est sur un environnement qui est très ouvert. On va passer d'une plateforme à l'autre. Enfin, l'interopérabilité fait qu'on va pouvoir, on va être sur Facebook, on va cliquer, on va partager, on va être sur Twitter, on va commenter, aller sur d'autres espaces encore d'écriture, on va finir une fanfiction, on va envoyer des SMS. On est sur quelque chose qui est très ouvert et qui, du coup, construit une continuité quasi permanente de cette écriture. Et puis, on va aussi articuler ça avec de l'imprimé. Donc ça... Comment ça se fait justement? Est-ce que l'imprimé, l'écriture sur papier, reste principalement dans une très très large proportion cantonnée à l'écriture scolaire? Non, parce que... alors là, ça va dépendre des individus. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à être affirmative, ouais, sur ce type de choses, parce que ça dépend vraiment de... Vous disiez le rapport au français, ça va être aussi la question du rapport à l'écrit. Ça veut dire quelle place des outils aussi dans la vie des jeunes, de quelle manière on est équipé, où est-ce qu'on se trouve. Parfois, un papier, un crayon, c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais ce qui n'empêche que très rapidement, l'écrit sera photographié, il sera partagé sur un réseau. Ah oui, c'est ça. En plus, il y a effectivement des problèmes d'intégration de l'écriture, oui, papier, oui. Partagée. Exactement, ouais. Exactement. Le nombre de pages, de groupes Facebook faits par des élèves, par des ados, des plus ou moins jeunes, qui vont partager, qui vont photographier ce qu'ils ont fait en cours. Ils vont les partager sur leur page Facebook et ça va donner lieu à des commentaires. Et puis ensuite, il y aura une sortie imprimante peut-être. Et puis voilà, on est dans un cycle continu. Je me souviens d'un cours, parce que ça a été très vite, cette évolution. Ouais. Et mes élèves ne prennent pas note. Et au début, je ne dis rien. Et puis, ils ne prennent toujours pas note. Et puis, à un moment, je m'inquiète un peu. Ils me disent non, ça va. Et puis, bon, je termine. Et à la sortie du cours, ils prennent le tableau en photo. J'ai dit, mais oui, évidemment. Pourquoi je n'ai pas pensé plus tard? Je l'ai fait aussi parce que moi, à la fin, je l'efface et des fois, j'oublie. Ouais. Donc, en fait, c'est même inutile pour moi. Oui, bah voilà. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a cette continuité. Et bon, après, il y a des questions éducatives qui se posent derrière. C'est-à-dire, comment est-ce que cet écrit-là redevient quand même un matériau à un moment donné? S'il est en mode image ou est-ce qu'il est... Donc, il y a d'autres questions techniques, du coup, qui vont se poser pour les jeunes. On peut attendre 5 minutes et je vous donne la parole le premier. Okay. Ce que je me demandais aussi, dans quelle mesure, à quoi ça sert cette écriture continuelle, par exemple du texto Je vais faire une réponse lyrique, je vais dire ça sert à vivre. Mais parce que l'écriture, très clairement pour les jeunes, c'est pour ça où c'est vraiment un mythe, cette histoire selon laquelle ils n'écrivent pas. Ils écrivent parce que c'est un vrai outil pour se socialiser, c'est un outil pour grandir, c'est un outil pour interagir avec soi, avec le monde. On parle d'écriture, mais on a un couple, c'est lecture-écriture aussi. Donc c'est tout le temps dans cette interaction-là et c'est un vrai outil pour, de médiation avec le monde. Et pourquoi, par exemple, nous, on a été élevés avec le téléphone principalement, c'était ça qui nous... Et j'ai l'impression que les jeunes téléphonent beaucoup moins, ou en tout cas dans d'autres circonstances, ou à d'autres personnes, et passent plus par l'écrit. Est-ce que vous avez constaté ça? Alors ça, je l'avais constaté, mais j'ai l'impression que ça recule, que ça se modifie. Ouais, qu'il y a quel, un retour du vocal. Justement, pour cette question de la proximité, et moi, je le vois revenir aussi sur des usages, mais là, plus récents, autour de Périscope, par exemple. Oui. Où on va avoir là on va retrouver des usages quasi téléphoniques, quelque chose qui est très 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 mêlé. On va avoir par exemple des jeunes qui rentrent
du collège ou du lycée qui vont ouvrir leur application Twitter, qui vont ouvrir Periscope, qui se filment dans leur chambre et leurs amis leur envoient je ne sais plus comment dire, enfin en tout cas écrivent, font une espèce de chat, écrivent et eux répondent oralement, directement en voyant les écrits défiler et réagissent en fait. Et donc il y a cette articulation écrit-orale qui me semble assez nouvelle. Je pense qu'il y a, voilà, il y a des choses qui se reconfigurent. On voit aussi qu'il y a des questions très économiques. Hein. Moi, j'avais vu un vrai basculement des usages arriver avec le forfait SMS illimité. Mais je pense qu'il y a eu aussi, de la part des fournisseurs, des rééquilibrages sur les temps d'appel par rapport au SMS illimité qui font que le temps d'appel devient aussi quelque chose d'intéressant. Mmh. Et mine de rien, il y a cette interaction technique usage. Et alors, parmi les... On va très vite, parce que dans le travail que vous avez fait, c'était une thèse, donc un gros travail dans lequel il y avait plein de choses très intéressantes. Moi, il y avait un aspect qui m'avait aussi beaucoup intéressé, qui est qu'on voyait chez tous les jeunes que vous interrogiez un vrai souci du choix du mot, de la ponctuation, etc., et qui, dont découlait un phénomène qui était assez intéressant aussi, qui est l'écriture sociale. Et ça, c'est une expérience qu'on a tous fait. Hein. Je ne sais pas si vous prenez le bus et vous voyez comme ça des groupes de jeunes qui se montrent les textos pour essayer de comprendre. Donc, ils font une sorte d'exégèse collective et qui va donner lieu aussi parfois à une écriture collective. Et ça, c'est un truc que vous avez beaucoup observé, ça aussi. Oui, oui. Et en fait, à chaque fois après que je le demandais, on me disait bah oui, bien sûr, qu'on fait. Voilà, c'est. Et en particulier sur les relations amoureuses. Enfin, tout ce qui est. Pas seulement les relations amoureuses, et aussi finalement tous les incidents critiques. Toutes les relations un peu difficiles, tous les moments un peu délicats. Comme quoi, par exemple Par exemple, on s'est engueulé avec sa mère, et voilà, comment est-ce qu'on répond aux SMS énervés de sa mère ou comment est-ce qu'on peut mentir sans pour autant mentir. Et donc s'il y a une copine qui est là et qui vous explique comment réussir à faire le SMS, c'est intéressant. Sur les relations amoureuses, comment est-ce qu'on peut, c'est la même chose, hein, vous avez des tutoriels sur YouTube pour qui vous expliquent comment rédiger les SMS selon le niveau d'avancement de la relation. Parce qu'en fait, il faut savoir, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, comment est-ce qu'on doit formuler pour faire comprendre qu'on est intéressé, mais pas trop, mais qu'on aimerait mieux attendre. Voilà. Et en face, eh ben, ils sont deux, trois, plusieurs, à lire le SMS qui arrive, à le décrypter en retour et à nouveau à imaginer la réponse ensemble. Mmh. Moi ça me donne envie de réagir parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans ces pratiques-là, que je ne connais pas bien, il y a presque une longueur d'avance sur l'école. Parce qu'en fait, l'école elle-même est encore un lieu où on est dans un écrit très individuel, très personnel, évalué par le prof dans une relation unilatérale, alors qu'on sait que tous les systèmes pédagogiques un peu en avance favorisent l'écriture collaborative. Il y a des programmes qui existent qui permettent aux élèves de rédiger des textes ensemble sur le même Word, sur la même interface. Il y a des outils qui permettent de modifier des passages. Et quand on interroge les professionnels dans le monde professionnel, on se rend compte que les écrits collaboratifs, c'est une grande partie des écrits du monde professionnel. Ouais. Et donc, l'école, finalement, est décalée par rapport au monde professionnel. Et on a l'impression que ces jeunes sentent, enfin, je veux dire, sont en avance sur l'école, finalement, par rapport à ça. Oui, 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 parce que je pense qu'il y a aussi d'autres pratiques qui vont dans ce sens-là, comme la foxonomie, enfin, le fait de taguer des choses ensemble, de contribuer, le principe des fanfictions qu'on fait évoluer en fonction des commentaires, des retours des autres, c'est pas complètement collaboratif comme écriture, mais c'est quand même c'est très social. En tout cas, ouais. Et c'est vrai que c'est une vraie question pour les enseignants qui, parfois, voudraient bien prendre ce train-là, mais se disent, ben oui, mais à un moment donné, il va bien falloir que je lui mette une note. Alors, comment je sais ce qu'il a vraiment fait? Et ça va être encore les mêmes qui vont travailler et les mêmes qui vont rien faire. C'est la question d'évaluation, voilà. qui est peut-être après l'orthographe, il faut s'attaquer à ça. Cette idée d'évaluation individuelle, elle tire toutes les initiatives pédagogiques vers des choses rigides, difficiles. Et peut-être qu'il faut d'abord penser la question de l'évaluation avant de penser toutes ces questions-là. Parce que Jérôme, par exemple, est prof de philo et il a un rapport à l'évaluation qui est aussi encore un peu différent du mien. Je sais bien que c'est un problème qu'il aborde. Moi, j'en ai fait un sujet de cours. Voilà, c'est ça. Ah oui, vous faites un sujet de cours sur l'évaluation. Oui, voilà. C'est ça, une réflexion ensemble sur les tenants, les aboutissants, comment ils le vivent, ce que ça pourrait être, ce que c'est vraiment. Enfin,
Je trouve que c'est un bon sujet en, en soi. Ah, oui, voilà, bien sûr. Oui, oui. Sur l'évaluation chiffrée de soi oui. en ligne. Évaluation, différencier l'évaluation de sanction de l'évaluation diagnostique aussi, où l'élève s'évalue. En... Enfin, il y a plein de choses à réfléchir sur l'évaluation. Et tant qu'on n'aura pas réfléchi à ça, à la limite, on peut trouver toute une série de nouveaux systèmes formidables. S'il s'agit quand même d'avoir une évaluation de classification ou de... à la fin, c'est un peu problématique de toute façon. Ça tire tout vers, vers le concours, vers la compétition, vers des choses qui ne sont pas très humanistes. Oui, je pensais revenir sur... Allez-y. Déjà les jeunes et l'écriture. Ouais. Je vais revenir peut-être un peu loin en arrière, donc aux années 70, avec André Martinet qui avait mis au point un alphabet qui s'appelait l'alphonique. Et en fait, cet alphabet avait pour objectif d'associer, je dirais, une lettre à un son de la langue. Il faut savoir que le français, en gros, il y a, selon les variétés régionales, c'est entre 32 et 36 sons. Donc, il avait mis au point un système et ils ont fait des expérimentations en école maternelle et sont aperçus que le fait de ne pas s'occuper de l'orthographe mais d'écrire les sons de la langue, finalement, était très stimulant. Et les enfants se mettaient à écrire spontanément et écrivaient beaucoup, énormément. Vous voyez, donc c'était... Enfin, c'est la preuve que l'orthographe est un frein, vous voyez, qui empêche finalement de s'approprier l'écrit. Hein, c'est vraiment... il a fait cette démonstration. Et je clôt là-dessus. Et après, je voulais revenir sur les évaluations. Oui. Il y a aussi des méthodes pédagogiques où finalement, évidemment, c'est pas, je dirais, ça se fait pas dans toutes les classes, c'est souvent à titre expérimental, mais où finalement, il y a une interaction entre l'enseignant et l'enfant, et il présente ça comme une sorte de négociation. On lui demande pourquoi tu as écrit comme ça. Ouais. Alors l'enfant explique qu'est-ce que ça te rappelle, etc., etc. En fait, ça permet finalement, au final, après cette négociation, de faire émerger ce qui dans le système marche bien. Et donc on vient vers donc l'enfant spontanément, je pense qu'il a une théorie et il veut des règles qui soient sûres et rationnelles, et je pense que de ce côté-là on sera jamais déçu par les enfants qui écrivent. Voilà. Tout à fait, c'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de profs qui font beaucoup de trucs parce que nous on y va avec certains trucs, mais il y a plein de collègues, plein de profs qui font des choses et peut-être vraiment le tout dernier point, je voudrais pas abuser de la parole, mais c'est la première fois cette année qu'il y aura donc les manuels scolaires en orthographe rectifiée, hein, ce qui est vraiment, pour moi, c'est un grand pas. Mmh. Ça fait très peu de changements, mais c'est un pas énorme. Et je pense qu'on sera en adéquation avec nos cousins francophones, la Belgique et la Suisse, qui, eux, ont fait ça pratiquement dès le début. Voilà. Et est-ce que, Elisabeth Schneider, quand vous avez travaillé votre thèse, vous êtes allée voir les profs, justement, pour savoir quel regard ils avaient, eux, sur les pratiques scripturales, comme ça, très variées, des adolescents qu'ils avaient en face d'eux? C'est assez difficile. Enfin, c'est assez difficile. C'est peut-être paradoxal ou complexe. Disons que, spontanément, il y a ce regard sur la qualité orthographique. Ouais. Ou sur l'écrit au sens standardisé, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand je disais je vais suivre tel et tel élève dans votre classe, parce que c'était pas eux qui choisissaient, hein, je suivais les jeunes avant, et quand j'allais dans la classe, ils me disaient mais pourquoi ces jeunes là? Mais enfin ils sont pas bons en langue, ils sont pas bons en français, déjà quel est l'intérêt? Donc j'essayais de pas trop en dire, et puis quand j'essayais de dire ouais, mais vous savez, il se passe des choses quand même en ligne, enfin ils publient beaucoup de choses, ils font pas mal de choses, et là vraiment les enseignants tombaient des nues. Alors après, quand on essaye de creuser avec eux en disant, ils vont avoir un discours beaucoup plus nuancé, mais je pense qu'il y a une force de la, comme on disait tout à l'heure, hein, de la représentation. Il y a une injonction, enfin il y a un texte de, je crois que c'était Oulahir ou Vincent qui disait l'école prisonnière de la forme scolaire. Je crois que vraiment sur ces questions de langue, c'est ça, ou l'éducation prisonnière de la forme scolaire. Ça joue comme un étau sur plein de choses. Et une des preuves de ça, c'est que la profession qui donne les meilleurs résultats, la profession des parents qui donne, selon les statistiques, les meilleurs résultats scolaires pour les enfants, c'est prof.
Et ça, je crois que ça dit quelque chose sur cette culture scolaire qui se transmet de prof en prof. Oui, voilà. Oui. Et là, ça soulève la question, pour moi, qui est un vrai enjeu sur la question de l'orthographe. Enfin, Lévi-Strauss disait que l'écriture, c'est un outil d'asservissement. Et je crois que c'est vraiment aussi un enjeu d'inégalité sociale, d'inégalité scolaire. On est capable de fabriquer de l'inégalité grâce à ça, grâce au regard qu'on porte sur l'écrit. De ces jeunes. Parce que vous, juste avant, on s'est croisés avant d'entrer et vous disiez, Fabrice Jessic, que en cas de discussion sur l'orthographe, par exemple, on n'arrive pourtant pas à faire de distinction droite-gauche dans les gens qui vont, par exemple, appeler la conservation de l'orthographe telle qu'elle est. Oui, j'ai pu observer effectivement que la division politique droite-gauche n'existe pas pour. Pour ou contre, la rectification. Plus pour grand-chose, malheureusement. Donc ça remet en question les choses parce que je sais pas comment dire, mais les idéologies sont un peu différentes pour des raisons différentes. Donc voilà. Alors pourtant, ce qui est absolument passionnant, je reviens à la question qui est un peu la même que celle que je posais pour le texto. C'est-à-dire, alors même qu'on trouve des situations d'écriture parmi les pratiques des jeunes, mais qui sont d'une subtilité. Par exemple sur Facebook, donc, qu'on est invité souvent à considérer comme un lieu d'appauvrissement de tout et des situations de communication en particulier, parce qu'un ami, c'est tellement pas comme un ami au sens de Montaigne et la Boétie, bon, c'est sûr. Mais voilà. Alors qu'en revanche, on retrouve là, par exemple sur Facebook, des pratiques ultra complexes et des situations de communication ultra complexes. Par exemple, dans la manière dont on va avoir en public des conversations privées et la manière dont vont se comporter ceux qui assistent à ces conversations sans y participer complètement. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter, décrire ça, parce que c'est assez compliqué. Alors ça, effectivement, c'est une question de jeux sociaux, en quelque sorte, qui se mettent en place. Alors moi, je l'ai observé sur Facebook. Et c'est vrai que c'est là que l'outil permet vraiment que ça se développe à ce moment-là, où on va voir même se construire des formes de territoires sociaux dans lesquels on va mettre en œuvre des manières de faire. Alors, comment je veux dire ? C'est une question aussi d'échelle. Quand on a un réseau d'amis, on n'écrit pas sur Facebook, on ne fait pas des commentaires pour tous ses amis. En général, enfin en tout cas ce que disent les jeunes, c'est qu'ils publient les commentaires, qu'ils vont publier en fonction ou sur leur propre mur, ils vont des statuts, je voulais dire, ils vont publier en pensant à quelques destinataires. Ils s'adressent à qu'une partie de leurs amis. Une partie de leur réseau. Ouais. Alors déjà, quand on leur dit qu'ils ont 300 amis, eux-mêmes disent « non, j'en ai entre 20, 30 vraiment auxquels je m'adresse ». Et à certains moments, ils vont s'adresser spécifiquement à peut-être 3, 4, parfois 1. Et très rapidement, les autres savent à qui on s'adresse. Même si le nom n'est pas mentionné, celui qui est concerné va pouvoir commenter, va pouvoir répondre. Ceux qui ne sont pas concernés, il y a un cercle plus proche qui va pouvoir liker, qui va pouvoir répondre de cette manière-là, mais qui ne participera pas à la conversation. Ou alors, quand ils vont participer à la conversation, très rapidement, ils vont se faire rembarrer. On va leur dire, mais c'est pas pour toi, enfin, voilà, t'es pas concerné par la conversation. Et là, les jeunes, en fait, apprennent des manières d'être en société. Entre eux, et c'est un jeu qui permet de nuancer le public-privé. C'est toujours une question qu'on se pose par rapport au réseau, de se dire est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public. Moi, je pense, enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, sur le long terme, c'est des choses beaucoup plus nuancées que ça. C'est-à-dire que ça peut être accessible, mais c'est pour autant pas public. Tu peux voir ce que j'ai publié, mais te permet pas de répondre. Voilà, donc on va avoir toutes ces nuances. Et à d'autres moments, ben, on sait que quelque chose est publié et tout le monde va pouvoir répondre. Et c'est vrai que c'est assez... Il y a des jeux d'échelle. De relations duelles ou de relations à plus grand nombre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont absolument pas codées, je veux dire explicitement, ni transmises, puisque de fait, les parents souvent les ignorent, et d'ailleurs font des impairs
Parce qu'eux, ils vont se permettre à des moments d'intervenir dans la conversation, alors que tout le monde comprend qu'il ne faut pas intervenir. Et donc, c'est intéressant, c'est que c'est des choses qui s'élaborent, c'est des normes qui s'élaborent de manière complètement grassroots, Là-bas. Oui, c'est des normes. Alors, des normes qui commencent pour certaines à être à peu près stabilisées. Donc, du coup, ceux qui créent des comptes, les jeunes qui arrivent sur Facebook, par exemple, vers 13... enfin, en général, c'est plutôt 11-12 ans, qui vont créer leur compte. Ils vont parfois avoir un temps d'observation, ou alors pendant les débuts, les autres vont leur dire comment se comporter. Parce qu'il y a des manières de faire. Voilà. Il y a des manières de se comporter. Une des choses que je trouve absolument passionnante dans tout ça, c'est qu'il me semble qu'une des grandes confusions, c'est-à-dire une des grandes raisons pour lesquelles on dit... on s'inquiète de cette écriture sur les réseaux sociaux, etc., en disant « Ah là, elle martyrise la langue, etc. » C'est qu'en fait, sur les mêmes supports, quasiment au même instant, vous avez des choses qui ressortissent strictement de la conversation, qui aujourd'hui, parce qu'elle passe par ces réseaux, est inscrite, alors que la conversation est quand même longtemps restée de l'oral, n'était pas inscrite, à part dans des œuvres littéraires qui s'en emparaient, mais de manière très codée. Enfin, voilà. C'est-à-dire que sur le même endroit, un compte Facebook, par exemple, vous avez ce qui est ressorti complètement de la conversation, c'est-à-dire à la fin, en termes de dispositifs communicationnels, d'écriture, etc. Et tout à coup, la même personne peut, 3 minutes après, faire un post super écrit, qui aurait été l'équivalent de, je ne sais pas, une inscription dans un agenda ou une lettre écrite à quelqu'un, etc. Et que du coup, effectivement, l'écriture de la langue varie énormément et que la même personne peut écrire d'un poste à l'autre quelque chose qui est une langue super écrite, donc orthographiée, enfin je ne sais pas si on dit orthographiée, enfin bon, grammaticale, etc. Et à côté, un truc avec KEK, LOL, des machins, des trucs dans des émoticônes dans tous les sens, etc. Et c'est parce qu'en fait, ils savent très bien qu'à des moments, ils parlent et à d'autres moments, ils écrivent. Oui, il y a ces distinctions et puis il va y avoir tous les degrés d'appropriation. Par exemple, là, ce qui est l'usage des citations de textes qui viennent d'ailleurs ou des copies de chansons. Comment est-ce qu'on va les transformer pour les intégrer à son propre poste et est-ce que je les cite telles quelles? Est-ce que je montre à quel point je me les approprie? Est-ce que je les réécris, etc. Puisqu'ils ont il y a des pages Facebook, il y a des blogs sur Skyrock, par exemple, qui sont des mines pour aller chercher des citations qui correspondent à notre humeur ou qui correspondent à ce qu'on a envie d'exprimer à ce moment-là. Et il y a ceux qui vont simplement les copier-coller. Donc, il y aura cette impression d'écrit élaboré, mais qui, en fait, n'est pas du tout du jeune. Et jusqu'à l'appropriation complète, où on va changer les pronoms personnels, on va changer le temps des verbes pour montrer que cette citation que l'on a prise, on l'a fait sienne à ce moment-là. C'est du vrai jeu sur la langue. Ouais. Ça rejoint encore un des enjeux de l'école future, vraiment essentiel. Dans les programmes de français en Belgique, on a de plus en plus de place pour cette question de la citation, de la référence. Et même, parce que les élèves... Certains élèves développent ça spontanément et sont conscients de ce qu'ils font, mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas conscients de ça. Et dans la recherche documentaire ou d'information, toutes ces questions de complotisme et des choses qui sont véhiculées par les élèves, on voit très vite que dès qu'un élève acquiert un minimum de compétences en citation, tout d'un coup, il transforme ces informations qui sont plus valables, il va les chercher sur Internet, il utilise des pronoms personnels, justement, il prend plus de place dans son discours et donc il sent... Il maîtrise mieux finalement la communication contemporaine et je pense que c'est un enjeu pour les futurs programmes de français de leur apprendre ça aussi, ce qui est pas nécessairement qui ne vient pas toujours spontanément non plus quoi. Voilà. Je vous propose, puisque vous aviez envie de poser une question, qu'on ouvre les questions à la salle, sauf si vous vouliez avoir un petit mot de conclusion l'un ou l'autre, mais de toute façon ce sera l'occasion, je pense, les questions de... Une remarque sur... enfin, je ne connais pas Facebook, je ne le pratique pas du tout, donc j'apprends beaucoup de choses ici. Mais je pense que ce que vous avez mis en avant, c'est que finalement, ça permet de gérer à la fois les registres, donc quel niveau de langue on utilise, et ça permet en même temps de dire... de complètement contrôler les destinataires. Vous voyez, donc déjà, c'est une espèce de... un optimum, je dirais, de communication, enfin, par ce moyen-là. Donc, et c'est vrai que ça peut être un observatoire de la langue et des pratiques très intéressants. Et qui mériterait, je pense, des études qui pourraient être faites et qui restent à faire, à mon avis. Twitter est archivé à la Bibliothèque du Congrès, si vous voulez vous y coller.
Pardon ? Je dis que Twitter est archivé à la bibliothèque du Congrès. Ah oui. Il y a quelques pintas. Mais c'est vrai que dès qu'on analyse sérieusement, c'est un travail énorme. Ah bah ouais. Il n'y a pas encore les machines suffisamment puissantes pour calculer. Du coup, on va peut-être. Est-ce qu'on a un micro à faire tourner dans la salle ou. Alors, il faudra que vous leviez, que vous parliez très fort. Ce micro. Mais on a pas rien fil. Ouais. Merci beaucoup. Alors moi je suis professeur de français, latin, grec en collège et lycée en France et donc je suis très intéressé par le débat de ce soir et j'avais deux questions, une pour Madame Schneider et ensuite une pour Monsieur, excusez-moi j'ai oublié votre Jessica. Nom, Jessica, voilà. Je constate comme vous que les élèves et mes élèves en collège écrivent beaucoup, après ça entre en, enfin il y a une contradiction ou au moins un paradoxe qui intervient derrière, c'est qu'ils manipulent beaucoup les réseaux sociaux, les smartphones, les messages instantanés, beaucoup moins les mails mais tout un tas d'outils, enfin, Snapchat etc. Mais dès qu'il s'agit de les faire écrire disons un verso en classe, c'est une catastrophe, enfin, ça râle dans tous les sens, même si je fais attention à ne pas trop les faire écrire. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui visiblement dépasse certaines classes ou les collèges, enfin un collège en particulier. Enfin, c'est quelque chose qui. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi et quelle explication on peut donner ? Là, vous parlez du geste moteur, du fait d'écrire sur papier, en fait. Oui, voilà. Oui, c'était quand vous voulez les faire écrire sur papier, ils renaclent. C'est ça. Alors déjà, enfin, je vais faire une remarque qui n'est pas très scientifique, hein, mais je pense qu'on a tous observé que nos usages des écrans, enfin des claviers, font qu'on a beaucoup plus de mal à écrire sur papier. Et là, c'est vraiment très moteur, c'est qu'on a des muscles qui fonctionnent moins. Après, je pense que ça mériterait de regarder quelles peuvent être les causes. Est-ce que c'est cette dimension motrice qui les gêne ? Ou est-ce qu'il y a peut-être une représentation de la tâche scolaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on les fait passer sur papier, on rentre à nouveau dans un univers scolaire très codé, une forme de communication particulière où il faut répondre à une commande, à une consigne. Dans ce que j'ai pu voir, effectivement, moi j'ai vu beaucoup d'écrits sur papier, dans le domaine privé, dans le domaine scolaire. C'est vrai que vous êtes enseignant de français, donc c'est bien souvent ce qui va demander de l'écriture longue. Comme une rédaction, comme une dissertation, je pense qu'en philosophie, en histoire, on doit trouver les mêmes problèmes. Moi, je le verrais plutôt du côté de... Enfin, croiser la question motrice, peut-être, et l'élaboration de la pensée. C'est-à-dire que c'est aussi un moment où on institutionnalise l'élaboration d'une pensée et qui doit être à un moment donné à voir, donné à évaluation. Je pense qu'il y a toutes les phases de ce processus-là qui seraient à observer, enfin en tout cas à investiguer. Je pense aussi qu'il y a une chose assez simple à comprendre, c'est que dans ces situations-là, les critères d'évaluation leur échappent. Quand ils sont en communication dans des cadres qu'ils ont choisis, ils connaissent les critères, enfin, ils adhèrent, ils ont co-construit ou bien acquis, comme vous l'expliquez bien, les critères, ils se les sont appropriés. Alors qu'ici, le regard qui va être posé sur leur production n'est pas coopté. Voilà. Oui. Pour moi, c'est ça la principale raison. Oui. Et puis, il y a une contrainte technique aussi, écrire avec un clavier ou écrire à la main. C'est vraiment fondamentalement différent dans le sens purement technique. C'est-à-dire que moi, quand je me retrouve à devoir écrire à la main, j'ai plus les mêmes. Même au niveau de la construction des phrases, je veux dire, on décide de construire, par exemple, le spectacle quand on écrivait des morceaux, puis on en rajoutait, puis on en retirait. À la main, c'est juste inenvisageable. Et donc, c'est la contrainte de l'écriture elle-même qui est. Et s'ils écrivent toute la journée comme ça et qu'ils se retrouvent devant une feuille, ils doivent être. Enfin, c'est perturbant, je comprends. En plus, avec pas de correcteur orthographique, donc devoir aussi interrompre sa pensée en permanence pour être sûr d'orthographier convenablement, on revient aux mêmes questions. Je pense aussi, il y a des écrits plus ou moins élaborés. Donc, quand on est dans une communication, je dirais, spontanée, etc., les mots viennent facilement et... Enfin, c'est plus facile. Par contre, quand on est obligé de produire une rédaction, un texte avec une certaine longueur, une réflexion, donc ça oblige à une construction. Il faut imaginer une structure du récit, etc. Donc là, ça devient, je dirais, beaucoup plus difficile.
peut-être pas tellement au niveau de l'écriture, mais plus au niveau de la conception, je dirais, intellectuelle de, du produit écrit qu'on veut faire. Donc c'est peut-être ça le problème ça, que vous posez. Je pense qu'il... moi, en tout cas, dans ce que j'ai vu, certains qui pourtant n'avaient pas un niveau scolaire très élevé étaient capables de le faire. Mais à ce moment-là, ça pose aussi la question du rapport au temps. Il y a un rapport au temps scolaire qui est très différent de celui que l'on va pouvoir se donner quand on est dans une écriture privée. Par exemple, écrire une fanfiction, on va s'inscrire sur cette écriture-là. Alors parfois, les one-shots, ça va être une soirée, ça va être une heure. Et puis, mais sinon, on va écrire, on va y revenir, on va y penser, on va pouvoir y revenir sur son temps libre, etc. L'école, elle instaure un temps particulier. Voilà, aujourd'hui, vous faites, par exemple, même si c'est un processus, hein, mais voilà, aujourd'hui, vous faites telle partie où c'est le premier jet, et puis il faut que ce soit évalué à telle échéance. On a un rapport au temps aussi. Et notre pensée, elle a besoin de s'inscrire dans ce rapport au temps. Alors après, je parlais aussi, et notamment, des cours qui étaient au tableau, qui s'agissait de recopier, et pas forcément dans l'élaboration d'une... Ah oui, la copie. Oui, la copie. Prise de notes. Bah, oui, oui. Ouais. Voilà, après, on peut faire des... C'est vrai que moi, je les ai... dans ce qu'ils me disaient, la copie de ce qui était au tableau, c'était un moyen de passer le temps. Donc ceux qui acceptaient de copier ce qui était au tableau, c'est parce que faut bien être là, donc tant qu'à faire, autant qu'on s'occupe l'esprit. Et parce que c'est la question du sens, quoi. À quoi ça servait de copier ce qui était au tableau, sauf quand ils l'avaient co-construit. Là, c'était un peu différent. Vous avez une deuxième question ? Oui, la deuxième question, très rapidement. J'ai fait partie de la génération qui avait les SMS limités à 180 caractères et qui étaient payants, etc. Et enfin, j'ai cru me rendre compte, en tout cas, à un moment, que le fait de d'écrire en langage texto, ça me faisait perdre mon orthographe. Donc j'ai pris le parti d'écrire en toutes lettres, même si ça me coûtait de l'argent. Est-ce que ça ne peut être qu'une impression, ou est-ce que c'est légitime de pouvoir penser que si on a la chance d'avoir une certaine orthographe, on peut perdre avec l'utilisation du langage texto? Oui, non, là je crois que vous êtes sur une fausse piste. En fait, il y a une étude de collègues du CNRS, je crois en 2014, qui démontre que l'usage donc du texto n'influence pas du tout sur l'orthographe. Hein, donc de ce côté-là, vous pouvez être rassuré. Et si vous voulez, ils ont fait une étude sur, de mémoire, je dis environ 4200 cas, hein, 4200 cas qui ont été analysés. Et ce qu'il en ressort, c'est que l'usage du texto, finalement, ne nuit pas du tout à l'orthographe. Hein. Évidemment que ceux qui sont les meilleurs en orthographe sont souvent les meilleurs en texto. Que ceux qui sont meilleurs en orthographe utilisent au maximum l'idéographie dans les textos. Ah oui. Voilà. Enfin, vous voyez, un certain nombre de résultats comme ça qui sont intéressants, mais en tout cas, ce qui est... Bon, il y a eu aussi... Enfin, là, je donne une étude, mais il y a eu aussi d'autres études qui ont été faites par, je crois, l'Université de Louvain ou quelque chose comme ça. Le gros MNS, je sais qu'il y a... Je sais pas Amélie Cognon, mais... je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et cette étude-là aussi démontre la même chose. Hein. Donc ça fait partie des idées reçues. Et je pense qu'il faut se retirer cette idée-là de la tête, parce que ceux qui pratiquent le texto et l'orthographe savent très bien qu'ils sont dans deux registres de l'écrit différents. Hein. Donc quand ils écrivent en texto, ils savent qu'ils sont dans le texto. Quand ils écrivent en orthographe, ils savent qu'ils sont dans l'orthographe normée, etc. C'est drôle que vous ayez pratiqué l'orthographe, comme si c'était on pouvait faire autre chose. Enfin, tout dépend de la définition qu'on en donne. Pour moi, le... Écrire en orthographe, vous dites, c'est marrant. Oui, écrire en orthographe, ça veut dire respecter... Je vois pas ce que ça veut dire. Mais voilà. C'est comme s'il y avait écrire et écrire en orthographe. Oui, en fait, disons, dans la définition qui est la mienne et qui est partagée par d'autres collègues, en fait, l'orthographe, c'est une manière d'écrire... Mais c'est une manière d'écrire qui n'est pas toujours selon la norme, voyez. Ça peut être une orthographe d'auteur.
qui est différent d'un auteur à l'autre. On a vu, nos collègues en ont parlé ici, hein, ils ont parlé de, je crois, de Rabelais. De Montaigne. Ouais, et de Montaigne, hein, dont on sait très bien que, bon, ils avaient des écritures totalement différentes et pas en phase avec les normes de l'époque. Donc, je pense que l'orthographe a un sens pluriel. Pour certains, c'est la seule façon d'écrire correctement, vous voyez ? Donc, c'est ce qui est un peu restrictif. Donc, ça exclut la variation, ça exclut... par exemple, ça exclut les rectifications qui admettent de manière d'écrire pour certains mots. Voyez, voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas y mettre un sens strictement restrictif de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a un micro. C'est bien, comme ça je peux regarder mes notes en même temps. Pardon ? Je peux regarder mes notes en même temps. Ah oui. J'ai des questions spécifiques sur les jeunes, mais je voulais juste faire une petite remarque. Je vais essayer d'être synthétique. C'est intéressant parce que tout ce que vous avez dit, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je le vis moi aussi en tant qu'adulte. C'est-à-dire le langage SMS, voilà, les gens qui font des fautes d'orthographe, j'en vois sur Facebook régulièrement, etc. Et j'ai l'impression que le langage SMS, par contre, il est en train un petit peu de disparaître. À la faveur des correcteurs orthographiques sur iPhone. Voilà. Donc je pense que le langage SMS il est peut-être né justement avec ce côté touche où il fallait optimiser il y a trois fois sur une l'écriture touche, à un moment où il fallait taper lettre par lettre. Voilà. Ma question c'était en fait... comment vous expliquer que sur les réseaux sociaux, notamment ce qu'on voit dans les commentaires, il y a des fautes d'orthographe qui soient aussi, aussi simples, telles que la différence entre l'infinitif et le participe passé, le ça, etc. Des choses qui sont quand même évidentes et que normalement, les gens sont censés savoir. Comment vous expliquer qu'il y a des fautes aussi simples et que d'un autre côté, il y a quand même des mots avec une orthographe, avec des doubles consonnes, etc., qui sont quand même orthographiés correctement. Et du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il n'y a pas, dans la façon... d'écrire une façon de se positionner, une posture qui du coup découle du langage, qui encourage les gens à se mettre en opposition peut-être par rapport à la doxa, au dogme, etc., à l'orthographe. Et justement, est-ce que c'est pas quelque chose de culturel plutôt que vraiment quelque chose de scolaire pour des choses aussi, aussi évidentes ? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas dans ces façons d'écrire aussi des liaisons en fait entre la langue et l'orthographe, parce que finalement il y a aussi des gens qui parlent un petit peu différemment, qui ont des jargons, etc. Les rappeurs, etc. Ils ont aussi des orthographes spécifiques, donc voilà. Et puis aussi, pardon, c'est aussi une remarque que je voulais vous dire, c'est que nous on n'est pas pris aussi dans ce phénomène où on écrit énormément comme les gamins aussi, j'ai un titre d'exemple, par exemple, je regarde sur Facebook le nombre de messages que j'envoie en chat, et j'en suis, avec ma compagne que je connais depuis 2 ans, à 100 000 échanges sur Facebook. Donc est-ce que nous-mêmes, en fait, on n'est pas pris quand même dans cette spirale où on écrit régulièrement des textos, où on renacle à écrire à la main, etc., nous, en tant qu'adultes, voilà. Alors, bon, une première question, donc, qui est, est-ce que c'est si spécifique que ça, la vie écrite des jeunes, si j'ai bien compris. C'est une sous-question. Est-ce que c'est pas simplement l'évolution de notre société, hein ? Pour ma part, je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a des usages qui, à un moment donné, étaient spécifiques des jeunes parce qu'ils se sont peut-être appropriés ces outils-là, parce que, voilà, pour des raisons diverses, et qui se sont rapidement diffusés dans la société. En revanche, ce qui est quand même spécifique, c'est d'abord ce qui va être spécifique de l'adolescence. C'est-à-dire que c'est quand même un moment de la vie, d'un point de vue de la socialisation, d'un point de vue de l'individuation, on construit son identité, qui vont faire qu'on va, on va peut-être utiliser autant les outils d'écriture qu'un adulte. De la même manière, mais l'usage, la valeur qu'on lui donnera n'est pas la même.
Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais vous pourrez aussi, enfin, des jeunes vont beaucoup écrire sur Facebook, mais pas forcément pour la même raison que vous. Par exemple, vous communiquez avec votre compagne, relation amoureuse stable, on va dire. Alors que les jeunes, ils sont en pleine construction d'eux-mêmes. Ils sont en train d'expérimenter le lien social. Ils sont en train de construire qui ils sont. Par comparaison avec les autres, etc. Donc du coup, l'écriture, elle leur sert aussi à tout cet espace d'expérimentation. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens que dans votre thèse, vous citiez l'exemple d'une Tara, elle s'appelait, ou Tasha, je ne sais plus, Tasha, qui disait que certains jours, elle pouvait aller jusqu'à 500, oui. C'est ça, 500 textos. C'est-à-dire que vous imaginez, avec votre copie, dans 2 ans, vous n'en seriez pas à 100 000, vous en seriez à... ce qui veut dire aussi que c'est des interactions, et aussi là je me demande s'il n'y a pas une question de temps, c'est-à-dire que quand même si on est à l'école tout le temps quand on est ado, enfin beaucoup, on a quand même du temps parce que les cours c'est quand même pas une intensité délirante, je suis désolé, et que quand on commence à travailler qu'on peut plus échanger des textos tout le temps, parce que, voilà, il y avait aussi j'imagine cette nécessité de maintenir le lien de façon permanente aussi, parce que ce qu'ils disent beaucoup quoi. Oui, parce que le lien social n'a pas tout à fait le même sens. Donc effectivement, et puis il faut s'occuper quand il n'y a rien à copier au tableau. Donc voilà, il faut envoyer des SMS. Voilà, c'est ça. Vous vouliez répondre ? Oui, je voulais juste réagir. Ouais. Je pense que, à mon avis, trop de communication tue la communication. Ah, ça c'est votre moment réactionnaire, ça, Fabrice. Oui, c'est mon côté peut-être conservateur, voilà. Du jeu. Mais... je pense quand même qu'il y a une part de vérité dans ce que je viens de dire. Et d'autre part, ce que je crois aussi, c'est que, si vous voulez, on n'a pas fini avec les évolutions technologiques. Donc la communication langagière, elle va encore changer, elle va encore évoluer. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Et je pense que même à long terme, parce qu'il y a une chose... tout à l'heure, on parlait de l'Académie française, de son côté conservateur, etc., l'Académie est censée enregistrer l'usage, le bon usage, hein, on a bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pratiques sociales, en fait, l'Académie enregistre en gros, d'après les études qui ont été faites, j'ai pu mesurer que c'est entre 30 et 50 ans après qu'ils intègrent dans le dictionnaire des usages qui durent déjà depuis des décennies. Vous voyez ? Donc ce que je crois, c'est qu'il y a eu par exemple la révolution de l'imprimerie à la Renaissance. Là, il y a eu la révolution, je dirais, de l'informatique au XXe siècle et qui n'est pas finie. Et je pense que ça va encore beaucoup changer. Et vous aviez raison là pour dire que le iPhone qu'on va finir par tuer les SMS et les textos, parce que vous tapez quelques lettres et lui, il vous prédit le mot que vous voulez écrire, etc. Bon, parce qu'il y a des systèmes assez sophistiqués derrière. Et c'est vrai que l'image, par exemple, aussi rentre de plus en plus dans la communication. Donc ça, c'est des changements importants. Je vais peut-être faire un peu de préhistoire, si vous me permettez, juste un instant. Mais avec Nina Katash, on a été un peu les pionniers de l'informatisation de l'orthographe. Et au début, on n'avait que les 128 caractères du code le plus pauvre, code IBM le plus pauvre. Et il fallait qu'on se débrouille avec ça. Donc les accents étaient codés. Enfin, c'était un truc infernal. Et c'est pour vous dire moi, mon travail, je l'ai commencé avec des cartes perforées, hein, des travaux de traitement automatique du langage... ensuite base de données lexicales, etc. Hein, donc, et même le dictionnaire historique de l'orthographe française qui a été fait sous la direction de Nina Katash avait été commencé sur des cartes perforées, donc ça représentait des 8 éditions, ça faisait à peu près une tonne de papier, voyez, donc il fallait mettre les cartes, enfin c'était un travail terrible. Donc c'est pour vous dire tous les changements qu'il y a eu, et ça c'était dans les années 70-80. Donc vous imaginez encore aujourd'hui les changements qui sont à venir, qui sont énormes. Voilà. Et je crois aussi que c'est aussi la langue qui s'enrichit. Hein, et je pense aussi par ces nouvelles technologies, il y aura peut-être finalement un retour sur une orthographe plus rationnelle, à plus long terme. Mais je crois que l'orthographe, c'est quelque chose... au niveau d'une génération, on sent assez peu de changements. Donc il faut être patient. Voilà. Oui, moi je voulais ajouter une chose sur la question des usages spécifiques des jeunes. Je crois quand même aussi qu'ils ont, peut-être parce qu'ils ont le temps,
ils aiment les jeux de langage, des jeux sur la langue, où ils vont, par exemple, quelqu'un va envoyer un mot à une liste, enfin oui, à ses destinataires par SMS, et puis les autres, s'ils sont disponibles, ils vont répondre et vont se mettre à faire des échanges qui n'auront ni queue ni tête pour ceux qui vont les lire, mais ils sont vraiment dans du jeu pour les mots ou du jeu pour la musicalité des mots. Et par exemple, là, effectivement, avec cette question de clavier, de terme, enfin de dimension prédictive, où on va justement écrire des messages à ses amis et en acceptant systématiquement le choix. La proposition de la machine. Voilà, la proposition de la machine, hein, ce qui fait que vous arrivez à une écriture très surréaliste, absolument incompréhensible, et parfois les parents peuvent se dire « ça doit vouloir dire quelque chose, cet SMS, est-ce qu'il est en train de préparer un mauvais coup ?» Et non, voilà, on échange comme ça de longs SMS où on ne fait qu'accepter la proposition de la machine. Moi, je voulais revenir aussi sur les personnes qui mettent un infinitif à la place d'un participe passé, alors que cette règle est très simple. Il y a deux choses que je voulais dire par rapport à ça. J'ai l'impression qu'à effort égaux, il y a des résultats inégaux, parce qu'on n'a pas tous le même cerveau. C'est-à-dire que si on fait exactement le même exercice d'entraînement, il y a quelqu'un qui ne devra plus y penser pour le faire, alors que la personne qui aura fait le même exercice devra systématiquement y penser. On n'est pas égaux face à l'acquisition de ces choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce qui est assez frappant, c'est pas quand les personnes font ça, on comprend très bien ce qu'elles veulent dire. Il n'y a jamais ou à peu près de problème de compréhension parce qu'on a mis ER à la place de E, si on veut être honnête. Par contre, on est choqué parce qu'on moralise l'orthographe. Et on se demande comment, sachant cette moralisation, une personne... Et on suppose que tout le monde moralise comme nous. Sachant la valeur morale qu'on donne à cette faute, comment l'autre, alors que c'est si facile et que ça a tant de valeur, ne le fait pas ? Et on a une sorte de jugement moral basé sur cette chose-là. Et c'est dans ce sens-là où on pourrait croire que la personne le sait et s'en fout. Et que s'en foutant, elle donne la priorité au sens parce qu'elle n'a pas envie de commencer à se prendre la tête, à réfléchir à tout ce qu'elle fait, mais qu'elle sait très bien qu'elle va être comprise. Et donc, il y a quelque chose de relativisant qui est assez... qui peut être une prise de position presque malgré soi. Et pour aussi aller dans ce sens-là et repréciser, pour être vraiment technique sur la question du « et » « er », c'est des questions qui sont plus proches de l'orthographe grammaticale que de l'orthographe d'usage. Et en fait, si on prend une langue, par exemple, comme l'anglais, la distance entre l'écrit et l'oral est encore plus grande qu'en français. Il y a beaucoup plus de phonèmes par rapport au graphème, encore plus qu'en français. Mais qu'est-ce qui fait que l'anglais est moins jugeant et moins problématique en termes d'orthographe? C'est que 80%, enfin je ne connais pas les chiffres exacts, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps sur les questions du bac, une extrême majorité des fautes qui sont commises sont des fautes d'orthographe grammaticale, c'est-à-dire de l'accord. Et par exemple, les processus mentaux qui entrent en compte quand on doit choisir « et » « er » obligent la personne à se poser une question de grammaire. Et donc, les mots, on veut bien les orthographier comme on les a appris, comme on les a connus, mais par contre, se poser une question de grammaire, c'est là que l'effort devient... systématiquement supplémentaire, et donc du coup on évite ces questions-là parce qu'elles sont trop sollicitantes en énergie parasitantes, en fait. Intellectuelle. Voilà. Et c'est important de dire que si l'élève, si le prof est parasité dans sa lecture par les fautes d'orthographe, chaque fois qu'il lit, le cerveau s'arrête, puisque pour ne pas voir un mot, il faut, quand la faute d'orthographe, elle arrête le cerveau, et pour pouvoir lire un mot, il faut que le cerveau ne pense pas à la forme. Et chaque faute fait penser à la forme, donc le prof est perturbé. Mais on oublie que l'élève est perturbé en rédigeant. Donc, en fait, à effort du prof, il y a aussi effort de l'élève. Il faut voir que... Il doit chaque fois s'arrêter de penser pour se demander... Il doit chaque fois s'arrêter de penser pour savoir ce qu'il écrit, et comment il écrit. Et donc, il faudrait comparer ces deux douleurs-là, celle du prof et celle de l'élève. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, j'avais aussi une réaction parce que, j'ai travaillé sur beaucoup de textes remplis des... Enfin, avec une extrême variation orthographique. Et par exemple, pour reprendre les textes dialectaux du français, il y a des auteurs qui ont carrément retiré la couche grammaticale de l'écrit.
hein, et par exemple où il ne faisait pas la distinction entre et accent aigu et ER et écrit-aïté, etc. Est-ce que ça devient c'est complètement compréhensible quand même? Ah oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive totalement à lire et qu'on n'est pas du tout freiné. Parce qu'on se met dans un dispositif. On lit une page et après, ça y est, ça passe. Donc, je veux dire, on a une mécanique de lecture extrêmement souple. Et très vite, on analyse, je dirais, l'écrit et puis on sait comment le lire. Ça c'est quelque chose qui se fait très, très vite. Et de même que je travaille, en fait, j'avais une orthographe bien meilleure il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Parce qu'à force d'être confronté à des variantes historiques, à des variantes géographiques, sociales, etc., on peut dire j'en perds mon latin. Ça ne marche pas avec le CMS, mais ça marche avec la linguistique. Mais c'est vrai que c'est déroutant. Et j'ai observé que, bon, étant spécialiste de l'orthographe, je fais très attention quand j'envoie un message, n'est-ce pas ? Bon, mais souvent, j'écris pratiquement en phonétique mon premier jet. Bon, j'exagère légèrement, mais c'est un peu ça. Donc, je me surprends, finalement, à adopter le système, le plus simple et le plus rationnel. Donc, je retrouve ma pensée, et après, je l'orthographie. Voilà. La linguistique nuit gravement à l'orthographe. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est pour ça que j'avais pris des cours de linguistique aussi. Ouais, voilà. Ce qu'il faut savoir, surtout, c'est que dans la tradition linguistique, on s'est surtout intéressé à l'oral. Évidemment. Et l'écrit a été totalement abandonné. C'est que depuis les années 70 qu'on commence à s'intéresser à l'écrit et qu'on commence à avoir des approches, je dirais, qui sont intéressantes, qui prennent en compte la dimension sociale et politique de la langue, et ce qui avant n'était pas pris. On pensait que la langue, c'était neutre, ce qui est totalement faux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, venez. Alors, ma question vient d'une interrogation que j'ai en ce moment, c'est-à-dire comment faire pour que l'élève entretienne ou apprenne à entretenir avec la production écrite, ce qu'il produit, un rapport notamment affectif, c'est-à-dire aimer ce qu'il produit à l'écrit, et finalement, indépendamment de l'orthographe, d'une certaine manière, parce que, voilà, je mets en place en ce moment un cours de calligraphie, c'est pour vous dire. Et justement, quand... à travers l'amour de la langue et de la production écrite, en expliquant, en dévoilant à mes élèves ce qui se cache derrière le mot adjectif ou adverbe, pronom, etc., et leur permettre d'accéder au sens, et de voir que le fait d'accéder à ce sens, y a déjà un amour qui naît par rapport à la langue, par rapport à ça. Je me demande si une rationalisation de la langue, en supprimant tout ce qui fait un peu les théages grecs, par exemple, ou les graphies grecques, etc., qui permettent d'expliquer l'histoire des mots parallèlement à ce qu'on connaît de l'état de l'enseignement des lettres classiques en France, en tout cas, fait avec la fameuse réforme du collège, si finalement cette rationalisation ne va pas augmenter, enfin, je sais pas, ne va pas empêcher d'avoir ce rapport affectif de façon démocratique, c'est-à-dire pour tout le monde. Voilà, parce que moi, c'était ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que tous les élèves puissent accéder au latin et au grec de façon à ce que tous puissent avoir ce rapport affectif à l'histoire de la langue, à l'explication, à l'accès au sens, etc. Voilà. Je pense que d'abord, on est attaché à une forme parce qu'on l'a apprise. Point. Si on vous apprend clé avec F... qu'on dessine une jolie petite clé à la place du F, vous allez être très attaché à cette forme, surtout si l'institutrice est jolie. Et à côté de ça, si on vous apprend un mot autrement, vous allez être attaché à cette autre forme. Si on veut faire, comme on dit, l'histoire de la langue, le mieux, c'est de la faire, plutôt que d'y laisser des traces un peu plus lourdes qu'autre chose. Par exemple, on prend l'exemple de téléphone en italien, on peut tout à fait faire de l'étymologie, retrouver les choses, sans qu'il y ait des marques pour autant. Surtout que le problème, c'est même pas les marques, parce que pourquoi pas, mais c'est le côté arbitraire et mal foutu. Il y a eu une évolution, on l'a arrêté là, pourquoi là, pourquoi pas avant, pourquoi pas après, enfin, doigt est un bon exemple de ça. On aurait pu arrêter un petit peu après, ça aurait aussi fonctionné. Finalement, un puriste, c'est quelqu'un qui veut qu'on écrive comme il y a 50 ans, c'est tout.
C'est pas l'idée de faire la vraie, véritable histoire de la langue. La véritable histoire de la langue, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus complexe. Et faire de l'histoire, ça serait d'abord montrer comment l'histoire est en mouvement, encore aujourd'hui, et montrer ce que la forme pourrait devenir demain, et d'où elle vient. C'est ça de l'histoire. Et je pense qu'on a un rapport, une chose qui permet vraiment d'avoir un rapport affectif avec sa langue, c'est avant tout de s'en servir. Et que cette orthographe bloque. Cale, pas seulement l'orthographe, l'enseignement de l'orthographe aussi, on parle de la notion de faute, je veux dire, c'est du vocabulaire culpabilisant. Je pense que, le rapport qu'on entretient avec, avec sa langue, plus on peut s'en servir, la mettre à notre service, plus on va aimer s'en servir. Mais pas commencer à en faire une espèce de temple qu'il faut vénérer parce qu'on a dit que ça c'est beau et que ça c'est laid. Que ça a de la valeur, que ça s'en a moins. Je crois que la valeur, elle vient de ce qu'on en fait quand on l'utilise. Et pour ça, il faut qu'elle soit plus accessible. Voilà. J'ai aussi une réponse, on peut imaginer plusieurs pistes. La première, je pense, ça serait d'inviter les élèves à écrire, mais sans se soucier de l'orthographe. Simplement d'écrire. C'est pour ça que j'avais parlé d'André Martinet avec les expériences avec Alphonique. C'est simplement de mettre sur le papier, vous leur dites, ne vous occupez pas de l'orthographe, écrivez, ce qui compte, c'est les idées, l'orthographe, on ne s'en occupe pas du tout. Donc ça, c'est un premier stade. Et on ne discute que de la rédaction, de la mise en écrit, des idées, etc., etc. Je pense que ça, c'est un premier travail. Et après, on passe à l'analyse. À ce moment-là, on dit, tiens, c'est écrit comme ça, mais pourquoi, etc. Tiens, là, c'est pas juste. Donc après, il y a un travail de réflexion sur la langue, sur le système graphique du français, etc. Et ça, je pense, ça permet de mettre en évidence les systématiques, de mettre en évidence les fonctionnements de la langue, du système graphique, de l'orthographe. Alors ça, c'est une piste. Et l'autre piste, c'est justement l'histoire de la langue. C'est de montrer, parce qu'on sait très bien, rien que la période de ce qu'on appelle le français moderne, c'est-à-dire en gros 17e siècle à nos jours, tous les changements qui sont intervenus, c'est quelque chose d'énorme. Par exemple, de donner des exemples des premières éditions du dictionnaire de l'Académie, des dernières, etc. Je veux dire, ou même de prendre des attestations, comme vous aviez montré tout à l'heure là, pour le misanthrope. Donc ça, c'est des choses... Je dirais que ça aide à prendre conscience que les choses ont changé, qu'elles ont beaucoup bougé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça bouge un peu moins vite parce que l'écrit est massivement diffusé, mais ça bouge quand même. Et je pense que ça, c'est... À partir du moment où on a conscience de ces changements, je pense que ça aide à mieux comprendre les choses et ça démontre aussi que non seulement la langue évolue et change, mais qu'aussi l'orthographe évolue et change, vous voyez ? Et ça, je pense, c'est à partir du moment où les gens ils ont conscience de ça, ça va beaucoup mieux. Et peut-être pour illustrer ce propos, je peux rappeler qu'au moment des rectifications de 90, en fait, on était le laboratoire CNRS qui fournissait les listes de mots avec toutes les graphies historiques. Et quand les académiciens ont vu comment... Ils ont dit, c'est nous les académiciens, enfin, ils parlaient de leurs prédécesseurs, évidemment... qui avons autant changé l'orthographe, qui avons autant rectifié, finalement, ça les a aidés à comprendre. Et ce qui fait que, si vous voulez, Michel Rocard, à l'époque, qui avait mis en place le Conseil supérieur de la langue française, qui a fait des propositions de rectification de l'orthographe, donc il y a eu vraiment un travail collaboratif entre l'Académie et ce Conseil. Donc ça a permis un dialogue. Et finalement, grâce à ça... pour moi, c'est la première réforme que j'appelle les rectifications qui a réussi d'une certaine manière parmi toutes celles qui ont été proposées au XXe siècle, par exemple. D'autres questions ? Comment ? Ah oui, alors il n'y a plus de questions. Ce qui se cachait derrière ma question. Ouais. En filigrane, ce qui se cachait derrière ma question, c'était finalement, est-ce que, même si je suis entièrement pour une rationalisation de l'orthographe, est-ce que finalement, pour tout ce qui est donc rapport à liste, les petits indices qui nous parlent de liste, qui peuvent parler au plus grand nombre de l'histoire de la langue, si les conserver,
comment dire... C'est-à-dire qu'on rationalise, mais pas complètement, on garde les trucs jolis. Non, enfin, pas garder les trucs jolis, mais plutôt que de trop rationaliser, de mettre plus le paquet sur les moyens et les moyens d'enseigner de formation. Ah, enfin, c'est-à-dire, parce que par exemple, pour l'enseignement des lettres classiques, on voit bien que ce n'est pas du tout la direction qui est prise. Donc voilà, au contraire, donner les moyens maximum sur la jeunesse, sur l'enseignement, sur l'éducation, sur... Ouais, ça c'est un programme politique, ça. Mais je peux répondre. Ouais. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, mais je pense qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, quand je parlais de cette diversité de la langue, on a du mal à s'en rendre compte, surtout pour les textes anciens, les textes médiévaux, parce que les éditeurs modernisent. Mmh. Hein. Donc on n'a pas du tout les vrais textes, on a d'autres textes. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Moi, je suis dans un labo d'historiens, et en fait, ça fait des années que je leur dis, mais il faut regarder les textes, il faut regarder la langue, comment c'est écrit, et pas se fier comme ça. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. C'est un collègue qui a travaillé sur les archives du théâtre d'Avignon, hein, donc c'était 14e, 15e siècle. Et il y avait des textes en provençal, des textes en français et des textes latins. Eh bien, il a mis tout ça comme si c'était... Enfin, il a traité ça comme si c'était une même langue. Mais il est bien évident que l'usage de ces trois langues, avait des destinations différentes. Et donc ça, il ne l'a pas pris en compte dans son analyse. Donc c'est pour exemplifier ça. Et je crois que là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et je pense que ça peut aussi... éveiller un intérêt pour la langue, à mon avis, parce que c'est quelque chose de très vivant qui a beaucoup changé et les gens, malheureusement, ne le savent pas assez. Bon, on va devoir s'arrêter là, puisqu'il y a une sorte de réception à côté. Merci beaucoup d'être venu assister à cette discussion. Je ne sais pas, on continuera, ça c'est toi qui décides. Si le programme Lire le Monde continue, reprend, on n'a pas encore discuté du thème, la prochaine fois, enfin, vous serez mis au courant de tout ça. Et merci beaucoup à tous, merci d'être venus vous présenter une version mixte de votre spectacle. Merci David Schneider, merci Fabrice Jessic, et bonne soirée à tous et à la prochaine fois. Merci.